tout, salut les gens. Alors là on se retrouve pour la demi-finale entre Was et Steven. Donc là j'ai hâte de suivre ça. J'ai envie de me réveiller là. Suivre ça en direct sur YouTube, mesdames et messieurs. Ça va commencer. Je suis trop content de participer aux Jeux Olympiques, ça faisait longtemps que je m'entraînais. Voilà, je vais représenter l'Algérie. Il y a tout le pays qui va regarder, toute la famille. J'ai fait un groupe Facebook, il y a MHD qui va me supporter, franchement ça va être lourd. Alors, vous représentez la France, qu'est-ce que ça fait de participer aux Jeux Olympiques? Non, franchement, c'est la première fois pour moi, je me suis entraîné dur, depuis hier en plus, hier je me suis entraîné et tout. Non, franchement, facile, je vais gagner facile, ouais, c'est qui ce mec? Je sais pas d'où il vient ce mec. Alors pour cette épreuve, si Was gagne, je pense que c'est vraiment truqué. C'est pas vraiment un mec super rapide, mais par contre avec le ballon, il est très très technique. Et voilà. Bah franchement, je pense que j'aurais pas dû m'arrêter pour boire cette bouteille d'eau. Mais elle était là, elle m'appelait, j'avais soif. Et j'aurais pas dû, je pense que c'était une grosse erreur et c'est une erreur de déconcentration. Et pour la prochaine épreuve, ça va être différent. Alors vous avez gagné cette première épreuve, comment vous sentez-vous? Je vous l'avais dit, je vais gagner, c'est facile, tranquille. Et à la fin, vous avez pas vu, j'ai un peu ralenti, tu vois, tranquille. Lui était carrément essoufflé, il a bu une bouteille d'eau. Voilà, tranquille, non mais franchement non, je vois bien la suite. Alors déjà, 1-0 pour Steven, j'aurais bien aimé être en finale face à Was, mais si Steven gagne, c'est parfait pour moi parce que ça sera encore plus facile de gagner les Jeux Olympiques. Donc voilà, pour l'instant 1-0 pour Steven, il reste encore 3 épreuves. Donc là, il y a égalité pour ce challenge, donc ça va se régler en pierre, feuille, ciseaux. Bref, ouais. Ah! 1, 2, 3, 1, 2, 3, avant l'Algérie. Non, franchement, là, je suis confiant, là. J'ai fait le test antidopage, franchement, là, je suis bon. Crossbar challenge, tranquille, je me suis entraîné pendant tout l'été et tout. Non, franchement, ça va le faire. Je suis chaud. Papa, maman, c'est pour vous. Là, il y a une scène de dopage en direct et personne dit rien. Genre, putain, mais c'est vraiment incroyable. Ça compte pas. Je sais pas jouer, ça arrive à tout le monde d'être nul, t'inquiète pas, ça se soigne. Regarde, je te montre comment on va faire, regarde. Donc pour cette dernière épreuve, hein, je vais continuer sur ma lancée, je vais essayer d'être le plus performant possible, voilà, le plus honnête possible, ici il n'y a pas de triche, le contrôle anti-dopage est vraiment très, très strict, voilà, donc je pense que ça va le faire. Non, mais c'est un petit relâchement, je vais gagner, ouais, je vais gagner, je pense, ouais. Dernière épreuve, donc le tir au but, donc voilà, ça va être entre Was et Steven.
c'est la dernière fois que je participe. Fini moi après. Ok Junior, tu sais ce qui t'attend maintenant, ok? Deux pays d'Afrique, mais il ne restera qu'un. C'est va être qui le roi d'Afrique? Ça va être nous le roi d'Afrique, ça va être nous. C'est ça, fais le malin. Mais vous allez voir comment je vais le boire en finale ce mec. Il est nul. Tu vois le mot nul, dans le dictionnaire, ça veut dire was. Qu'est-ce que t'inquiète? Non mais c'est bon. C'est fini là, c'est fini. Ah la finale. Je crois que c'est la première fois que l'Algérie est en finale dans une compétition. Et je suis très content d'être le premier. Et je pense que je vais être le premier Algérien à gagner une compétition. Donc très content à l'avance. Donc je remercie d'avance le peuple algérien. Je remercie ma famille, mes amis, même si j'en ai pas. Voilà, je remercie tout le monde. Préparez-vous à la victoire. Donc vous avez pas gagné comme vous l'avez prédit. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est de la triche. C'est de la triche. Je vais appeler la fédération. Je vais appeler la fédération.